Hello tout le monde, voici Champion MMC. On se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Puis une vidéo que j'attendais, peut-être pas une vidéo, mais voir une personne que j'attendais énormément avec impatience. Aujourd'hui, nous sommes au Mondial des Jeux de l'Auto-Québec. Et je suis en compagnie de Steelers, le cheval d'acier. Salut! Salut, ça va? Oui, toi? Ben, très très bien, même. Ça a été une très grosse journée, mais absolument fantastique. L'ambiance est fabuleuse, honnêtement. Vraiment cool. Pour commencer, j'aimerais ça que tu fasses ton introduction. OK, ben allons-y. Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Yeah! Voilà. Ça fait étrange de te voir en vrai. J'aime ça te voir en vidéo, mais te voir en vrai, ça fait bizarre. T'as-tu la même impression? Ben, c'est sûr que de voir les gens, voir les personnes qui me suivent, leur mettre un visage, pour moi, c'est juste absolument fantastique. C'est vraiment des journées qui sont très enrichissantes, j'aurais envie de dire, de tout entendre ce que les gens ont à me dire. Puis ça donne encore plus envie de continuer sur YouTube. Mais effectivement, pour avoir vu certaines personnalités dans la vraie vie, quand on se retrouve en avant, t'es comme « Oh fuck, c'est vraiment nice ». Même principe. Pour commencer, qu'est-ce que tu ressens pour tes 600 000 abonnés? Parce que oui, la vidéo elle est pour tes 600 000 aussi. Ça donne de même après un an, un peu plus d'un an. Là. Honnêtement, pour faire simple, c'est une fierté absolument pure. De juste me dire que je peux être, que je suis rendu là aujourd'hui, puis que c'était même pas quelque chose à la base que j'avais prévu. C'était juste pour être sur YouTube par passion. Puis honnêtement, c'est... J'ai rien à dire. Mon cœur est juste rempli de bonheur. Puis je peux pas être plus heureux que ça aujourd'hui. C'est juste absolument fantastique. Surtout quand il y a un BG comme ça derrière la caméra. Yes! Et ça se voit aussi que t'es quand t'es heureux. Même ça se voit encore plus aujourd'hui. Ah, ben oui, ça va vraiment bien ces temps-ci. Donc, j'ai pas à me plaindre. Quelle est la vidéo la plus réussie à ton avis? Puis il y a une autre question qui va être similaire aussi à celle-ci. Ben, dans les vidéos réussies, j'aurais envie de dire que c'est mes courts-métrages. Les courts-métrages que j'ai faits en règle générale demandent énormément de travail, comme le Nerf Gun et compagnie. Mais sinon, honnêtement, c'est... La plupart de mes vidéos, je les aime beaucoup, mais c'est sûr que j'en ai trop fait pour dire vraiment « OK, j'ai une préférence ». Puis quelle est ta vidéo la mieux réussie à ton avis? Ah, mon Dieu, j'aurais ma plus... la préférée ou la plus réussie, je dirais probablement dans la légende du doigt coupé qui a vraiment été quand même assez bien préparé. Puis sinon, il y a quelques épisodes de Besiege que j'avais quand même trouvé assez épique à l'époque quand je les avais montés. Puis il y a certaines vidéos de BeamNG aussi, mais c'était un peu vague. Là. Y a-t-il des vidéos que tu as faites ou que tu as pensées qui n'ont jamais vu le jour? Si oui, lesquelles? Je peux pas te dire lesquels parce que ça fait trop longtemps, mais il y a des jeux qui se jouent pas sur YouTube. Donc malheureusement, tu vas tourner puis tu te rends compte que finalement, c'est pas assez cool, c'est pas assez dynamique, c'est pas assez agréable, fait que ça sonne vraiment pas bien. Fait que je tourne la vidéo, pendant que je fais le montage, je suis comme ça vaut pas la peine. Fait que je la mets dans les vidanges puis je passe à autre chose. Fait que des fois il y a des jeux, je vais sur Steam, j'essaye des jeux, je fais des gameplays puis moi j'aime ça faire de la découverte, tu sais, le sentiment sur le coup, mais des fois le jeu il est pas cool, fait que malheureusement la vidéo sort pas. Ben là on va passer à... je vais sauter certaines questions, on va passer avec certaines questions de la communauté que j'ai demandé sur mon Discord quelles questions qu'ils voudraient te poser. J'ai trois personnes. Xav, quelle sorte de manga préfères-tu? Ben, je ne regarde pas, je ne lis pas de manga, de manga-ga, mais je dirais peut-être du hentai. Non, c'est pas vrai. Mais je dirais du... ben, c'est pas mal Dragon Ball, là, en règle générale. Deuxième question de Gecko Squad. Désolé, je te connais personnellement en plus. Aimes-tu les jeux de rôle? Je veux en faire plus. Parce que j'aime beaucoup les jeux de rôle, mais j'en ai pas fait assez. Puis je commence avec ma série Sea of Thieves. Donc, je vais essayer de m'intégrer là-dedans, puis me pratiquer. Dernière question avant de se laisser, de oui. Kieran. C'est lui qui m'a écrit. On peut je te le montrer en vrai? Oui. Pourrais-tu jouer en RP avec Steelers? Ben, c'est sûr que pour l'instant, j'invite pas réellement personne en soi. Parce que c'est compliqué et ça crée souvent de la jalousie et tout. Mais ça va dépendre des guests. Dans la série Sea of Thieves, on va peut-être inviter des gens sur le bateau pour faire des vidéos, mais that's it.
Alors, merci grandement. C'est un honneur pour moi de te rencontrer enfin après tant de temps. C'est vrai. Ça me fait vraiment plaisir, mon ami. Puis j'espère qu'on aura la chance de se revoir encore. Juste avant de continuer, je veux juste vous dire que je suis sincèrement désolé que pour l'audio, surtout de mon côté, parce que le gain était trop haut. Pour les autres personnes que j'interviewais, ça a bien été. Le son n'était pas trop saturé, mais avec moi, j'ai découvert que j'ai la voix qui porte plus que je pensais. Je sais que ma voix peut porter, mais je ne savais pas autant. Oui, des fois, j'avais le micro un peu proche, mais ma voix porte quand même assez bien. Pour ça, je suis sincèrement désolé. J'ai essayé de baisser ça pour que la vidéo soit de la meilleure qualité possible. Les images que vous voyez, ça a été enregistré avec une caméra louée, chose à laquelle pourquoi que j'ai un micro XLR, parce que c'est une caméra XLR à XLR, c'est sûr qu'on peut 1.8 à machin truc là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis en plus de ça, il y a eu, si vous voulez savoir le modèle juste avant, c'est une XA20, c'est une Canon. Je sais pas quelle catégorie, si c'est une semi-professionnelle ou une professionnelle, mais c'est pas du matériel cheap. Cette caméra vaut 2000$. Puis, je l'ai loué pour une journée, bon, pour la fin de semaine, qui vaut une journée aussi, 115$ si vous voulez savoir les détails chez Lozo. Puis, j'ai eu un petit problème technique que j'ai réglé, que vous avez pas vu, pas entendu plus ou moins, que j'ai réglé, c'est niveau de l'audio qui était en mono. Je l'entendais juste de la gauche. Mais j'ai réglé le problème avec Audacity en copiant et faire copier-coller de l'audio parce que puis de le changer de sens, permutuer le canal audio pour inverser l'audio et du coup la voir en stéréo. Puis juste avant de continuer, on va continuer avec Simon, le youtubeur avec Simon. Je suis sincèrement désolé, ça a bien commencé, mais ça a coupé, je ne sais trop pourquoi. Puis il manque un petit bout, c'est pour ça que vous allez commencer. On dirait qu'il manque un petit bout, c'est normal, je ne sais pas pourquoi, je ne pouvais pas, même en montage, je ne pouvais pas faire mieux que ça. Alors pour ça, je vous souhaite un bon visionnement pour le reste des vidéos. Avec Simon. Ah, fallait pas que tu le fasses, ça. T'es déjà avec dans mon nom, c'était simple. Ok, ça veut dire que toi, ton principe, c'est vraiment... Ça veut dire avec Simon. Tout le monde se complique, finalement. Au final, tout le monde se complique à dire avec Simon. C'est que l'affaire, c'est que, je sais pas si t'es conscient de ça, l'affaire, on a toute tendance à dire le nom du YouTuber. C'est ça qui fait que ça mélange. C'est tous dans l'erreur. Tout le monde. T'as compris? Bon, Simon, toi tu fais des chaînes gaming récemment, tu as commencé Sea of Thieves avec Steelers. Ouais, sur la chaîne Steelers, moi un peu. J'ai fait un peu de gaming sur ma chaîne, mais je l'ai plus transféré sur Twitch. Je trouve que la plateforme est juste mieux faite pour ça. Mais on a commencé One Series avec Steelers. Là, je regarde là, ça n'a aucun sens, mais je regarde là parce qu'il est là. On a commencé avec Steelers, One Series Sea of Thieves en roleplay en fait qu'on aime bien. Parle-moi de ton expérience côté RP, personnage, comment tu trouves ça, qu'est-ce que t'aimes de ça, parle-moi un peu de ça. Ben on l'avait dit dans la première vidéo, c'est la première fois qu'on faisait du RP les deux, fait que c'est sûr que j'avais jamais fait ça, Steel non plus, c'est juste, c'est nouveau, puis c'est le fun, mais c'est déstabilisant de jouer puis de dire faut que tu restes dans le personnage tout le long. C'est ça des fois qui est difficile à garder, là, mais au final on a vraiment du fun, puis je pense que ça se voit dans les épisodes, fait que tant mieux. Je me souviens plus ton nom de capitaine, mais Le Borgne. Lewis Le Borgne, voilà. Lewis Le Borgne. Avec le capitaine Barbe d'Érable. Oui, cet homme. C'est l'autre qui est très coopératif, comme on peut voir. Oui, de dos. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis connu, je pense, avec Steelers ou je suis pas sûr encore avec les jokes de papa avec Gaboum. Qu'est-ce que tu fais comme contenu à la base en général? À la base, c'est genre majoritairement de l'humour. Fait que ça va être soit des sketchs ou juste des vidéos humoristiques où je vais parler d'un sujet ou on va faire quelque chose, une activité ou. Le but, c'est juste que ça soit drôle. C'est toujours humoristique sur la chaîne, fait que ça a toujours été. Des fois, il y a des trucs sérieux, majoritairement, on se tient sur une ligne directrice dans l'humour. Un peu comme What the Fuck Kev, mais moins trash. Disons, ouais, exact.
c'est bien de savoir ça. Honnêtement, c'est pas que je regarde tes vidéos, peut-être pas, parce que je pas porté attention de vraiment. Ouais, pas de stress. Peut-être que je vais peut-être plus, on sait jamais. Voilà. Mais ça fait un plaisir de te rencontrer en vrai, ça fait bizarre. Tu sais, on voit du monde en vrai, puis hors vidéo, ça fait bizarre. Ouais, c'est pareil, hein. Des chiffres, des fois, c'est pas des visages, là, c'est toujours spécial en vrai. Ou des logos. Ou encore à caméra, tout ça. Exact. Ça me fait un plaisir de te rencontrer. Un plaisir, merci. Alors, continue ton beau travail. Je sais que t'es rendu à plus de 50 000 abonnés. Comme j'ai 60 000. Ouais. Lâche pas, puis ça va venir avec le temps. Merci également pour toi. Merci. Salut. Dernièrement, j'ai vu une vidéo, j'ai fait comme quoi je parle de ça, j'ai retiré quelle vidéo, j'ai comme ah, ok, ouais. Problème technique, oui. Hey. Léo Rivard, directeur technique. Léo Rivard, tu vas être un... Ah, grosse référence à Radio Enfer. C'est le moment qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse quand il parle à la machine, ça tombe. Bon, nous sommes de retour avec cette fois-ci What the fuck Kev. Salut What the fuck Kev, est-ce que ça va bien? Salut, ça va bien. C'est pour ceux qui le connaissent pas, pour c'est Kev fait de l'humour noir. Si vous êtes, mais je vais vous laisser lui s'en l'expliquer si vous voulez. Ok, t'as pas fait ton travail là. C'est moi qui dois m'expliquer moi-même qui que je suis, qu'est-ce que je fais. Allez Kev, va t'expliquer. Je fais des jokes sur internet, je fais des vidéos d'humour noir, vulgaire et agressif. C'est ça. Attends. On va t'expliquer mieux que ça. Ouais, vas-y. Kev. Fait des vidéos. Fait que là, des fois Kev arrive sur le web. Ah oui, c'est écrit. My God, on le colle plus. Let's go. Fait que what the fuck Kev? White people. Ok. Est-ce qu'on est en train de s'approprier quelque chose en ce moment? Aucunement. Fait que là, ouais, ça. What the fuck Kev fait des vidéos où il fait des zoom-ins, des zoom-outs de sa face des fois. Moi, c'est ça. Je sais que c'est pas juste ça. C'est une grande partie de mon humour et de mon montage. C'est correct. Des fois, genre, le plan, il sac le cœur à le côté. Là, tu vois un petit peu de bleed. Ça, c'est le fun. Il y a du monde qui regarde ça, ils sont comme, tu peux pas faire ça, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, Kev fait des vidéos. J'arrête pas de dire ça. Il fait juste parler de mon montage depuis tant. Non, mais sérieusement, il est très talentueux, Kev. Je recommande les gens qui veulent aller voir ça. C'est cool. Qu'est-ce que t'en penses, Kev? Merci. À vous, Roger, à la maison. Luduc est meilleur que moi en commentation, ça, c'est sûr. Yeah, ouais, puis aussi. T'as combien d'années d'expérience? 4 ans? Juste 8. Oh, ça se comprend. Ça paraît. Oui, j'ai pas assez d'expérience pour ça. Si ça paraît. Le peu de cheveux qu'il y a sont gris. Tout caché avec la perruque, man. Je suis pas habitué vraiment de faire des entrevues de même, là. C'est... Moi non plus, j'étais pas habitué avant de commencer mon podcast. Ah, c'est sûr, mais ça, on s'habitue avec le temps, qu'est-ce que vous voulez. Mais honnêtement, je m'entendais pas. Je suis en train de vous voyer. Désolé, c'est une habitude. Désolé. Mais comme que je disais, je t'ai pris sur le fait. C'est simple, je m'attendais pas du tout de te voir. Moi non plus, je pensais pas venir. Ah ouais? Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as vu tu? Que toutes mes amis sont venus. Fait que je me sentais tout seul chez moi. Bonne raison. Là j'arrive, puis toutes mes amis ont des passes, puis moi j'ai pas de passe.
T'es pas le seul par contre, moi avec j'en ai pas. T'es chanceux? Mais ouais, je suis pas chanceux, on est pas chanceux. C'est ça par contre pour toi dans ton cas de faire de l'humour noir? Ouais. Ça doit pas t'avantager par contre du tout faire de l'humour noir, hein? Avantager dans quel sens? Pour les conventions tout ça, ça doit pas t'avantager. Non, personne ne veut. Il y a juste le Geekfest qui a voulu de moi, puis l'Otakuton que je les ai harcelés pour être invité. Non, la technique que j'ai faite pour être invité à l'Otakuton, là, je suis fucking bon, là. C'est que j'enregistre mon crise de podcast avec Gurky. Puis là, j'ai invité Gurky avec moi. Fait que là, quand j'ai envoyé mon courriel, j'ai fait, il y a moi, avec ma chaîne. Puis là, je sais que la petite madame aurait fait, ouais, non, le gars, il est un petit peu trop vulgaire. Puis là, j'ai envoyé Gurky, qui a plus de 150 000 abonnés, puis qui mange des affaires assez weird. Fait que là, la petite madame, elle a fait genre, ok, on va faire ça, ouais. C'est des, ils ont du poids, là. Vous avez compris, hein, la maison? Ça fait bizarre de dire ça. Ouais. Ben, c'est, en plus, fallait que je trouve un invité qui était animé. C'est le seul qui était animé, fait que... Ah, ben ouais, c'est sûr. J'ai comme... Je sais pas, pour inviter fucking genre Simon à aller checker des hentai, là. Tellement. Que qui ça passe plus, là. What the fuck, Kev aussi, si vous voulez le voir aussi, plus naturellement, sans qu'il fasse trop de montage, vous pouvez aussi aller voir son podcast, le Chris de podcast. C'est bien. Alors, je suis bien content de te rencontrer. Ça fait, c'est pas la première fois qu'on se voit, nous deux, en personne. Non. Mais ça me fera un grand plaisir de te revoir, puis cette fois-ci sans le microphone de Tuxani, bien évidemment. Ouais, c'est Tuxani, il est même pas venu. Ouais. Lui aussi, il a pas eu de passe. Ça doit... Le pire, il habite à Montréal, c'est quel pays? Il habite quand même loin, là, d'ici, là. Ouais, mais moi, j'habite plus loin que lui, par contre. Ouais, c'est de lâche. Tuxani, si t'écoutes cette vidéo, c'est dommage que sois pas là. Tabarnak de trucs de cul. Alors, accepte donc mes cadeaux à Pokémon Go. T'as compris? Je t'envoie des cadeaux, accepte-les. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. C'est lui qui le dit, c'est lui qui l'est. Alors, merci pour cette petite entrevue, Kev. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors, on va se revoir une prochaine fois sur YouTube. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, si tu veux. Hey, mon bras, il est plus... Donne-moi en moins là! Hey, tu m'aides pas, man! J'étais en angle! Tu sais que ça? Yes. C'est même pas mon bras fort! Tu veux que ça te regarde? Ah! 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 Ah!